On est à la fin de septembre 2011 dans le quartier de la Chapelle et pendant deux nuits consécutives, on prépare une installation pour la Nuit Blanche à Paris. Cette installation, c'est un grand paystab de 120 mètres carrés réalisé avec des habitants du quartier de la Goutte d'Or et de la Chapelle. Cette composition était inspirée par un tableau d'un symboliste polonais du 19e siècle, Jacek Malczewski. À son époque, la Pologne comme pays n'existait plus depuis un siècle. Les artistes parlaient souvent du rôle de l'art dans la société. Son tableau, c'est une critique d'un peuple qui se retrouve dans une danse infernale. Peuple qui fête, qui danse et qui s'amuse, mais qui tourne en rond. J'ai voulu reprendre ce thème de la ronde pour illustrer notre société contemporaine qui est plus que jamais dans cette danse. Nous bougeons à travers le monde pour trouver une vie meilleure, mais souvent ce qu'on retrouve c'est isolement, tristesse et aliénation à la folie. Les acteurs de cette installation, ce sont mes voisins. J'ai vécu à la Goutte d'Or pendant 9 ans, je les ai croisés, je les ai vus tous les jours dans la rue. La Goutte d'Or, c'est un endroit très cosmopolite. Il y a des immigrants, il y a des artistes, il y a de tout. Et donc, dans mon paystab, entre autres, il y a des personnages comme un grand-père peintre qui a eu une attaque cardiaque et qui a recommencé sa vie avec cette figuration. Il y a des propriétaires de galeries qui m'ont aidé à l'installation. Il y a un ancien toxico qui aide les autres à s'en sortir. Il y a un propriétaire d'un restaurant indien du coin. Il y a une modèle qui pose pour des peintres, comme dans les temps glorieux de Montmartre. Il y a une fille qui devient un garçon et qui vit sa nouvelle vie en étant photomodèle. Il y a de tout. Il y a toute une vie, il y a toute une cosmos dans ce paystab. Ce que j'essaye d'obtenir dans mes projets, c'est une sorte d'engagement social. Je voudrais parler des choses importantes pour ceux qui y participent et pour ceux qui les regardent.